Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans que j'ai commencé à savoir exactement ce que je voulais faire. Je n'ai jamais pensé de ma vie que je serais homme d'affaires. Je n'ai jamais pensé que je serais professeur. Alors je deviens professeur, je n'ai jamais pensé. Je suis devenu entrepreneur, je n'ai jamais pensé. Et toutes les autres choses. Je voulais être policier, rejeté. Je voulais même être serveur, rejeté. La plupart des rêves, vous pouvez y penser, mais ils ne fonctionnent pas. N'essayez pas d'être le meilleur. Soyez le premier. Soyez le premier à changer. Soyez le premier à relever le défi. Soyez le premier à surmonter les difficultés. Car pour être la meilleure personne, il n'y a qu'un seul champion olympique. Je ne pense pas avoir la chance de l'être. Je peux toujours essayer de nouvelles choses. Et n'abandonnez pas. Croyez-le parce que vous êtes unique. Tout le monde est unique. Et soi-même est toujours la clé. Ce monde aujourd'hui est plein de défis et d'opportunités. Il y a 2000 ans, plein de défis. Je suis sûr que 2000 ans plus tard, plein de défis et d'opportunités. Il y a toujours. Cela dépend de la façon dont vous le regardez. Quelqu'un considère ces défis comme une opportunité. Les jeunes disent qu'il n'y a pas d'opportunité. Je me suis beaucoup plaint, beaucoup j'étais jeune, parce que je pensais que Bill Gates a profité de toutes les opportunités pour Microsoft, Steve Jobs, tous les gens-là, il ne nous reste plus grand chose. Mais je pense que je réussis toujours dans les défis. Et si vous pouvez résoudre le défi, vous réussirez. Plus le défi que vous résolvez est grand, plus vous avez d'opportunités. Solve the big problem, or the big opportunity you have. Je pense que la vie est un voyage. Vous venez dans ce monde pour profiter de la vie, pour être heureux, en santé. Le jour où tu laisses le mot que tu dis, je suis content, ma vie, je suis en bonne santé dans cette vie, parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez jamais heureux. Donc, je crois que le bonheur et la santé sont les choses que les êtres humains recherchent toujours. Je pense que dans les 30 prochaines années, à cause de la technologie, les sciences et la vie vont beaucoup changer. Les gens vont vivre plus longtemps, mais vivre plus longtemps ne signifie pas nécessairement vivre plus sainement. Donc, si vous n'êtes pas en bonne santé, comment vous pouvez être heureux? Si vous vivez plus longtemps, si vous n'êtes pas heureux, pourquoi vivre?